Chers téléspectateurs de Zoé Channel, dans le monde entier, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers habitants de Ouagadougou, chers habitants du Burkina Faso, je vous bénis au nom souverain de Jésus. Lors de ma dernière rencontre avec vous au Burkina Faso, j'ai été beaucoup marqué par la réception spéciale que vous m'avez accordée à moi et à mon équipe. Et je vous transmets aussi les salutations personnelles de mon épouse, Momi Shalom Ekane, qui m'a dit de vous dire qu'elle a été beaucoup marquée par tous les cadeaux qui lui ont été envoyés du Burkina Faso, comme du Bénin, comme du Togo. Merci pour tous ceux qui ont pensé à elle. Et il faut dire aussi qu'elle m'a chargé de vous dire que toutes les notes que vous lui avez écrites, elle les a lues et elle a prié note après note pour tous vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été à Ouagadougou, nous avons été bénis, nous avons été comblés. Nous n'avons point été à l'étroit, mais vous nous avez pris comme si nous étions avec vous depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je vous annonce mon retour au mois de septembre pour un grand programme à Ouagadougou qui aura lieu du mardi 19 au samedi 23 septembre, tous les soirs à partir de 16h dans la salle de la Maison du Peuple en plein cœur de Ouagadougou. C'est 5 jours de bénédiction, 5 jours de restauration, 5 jours de délivrance, 5 jours où Dieu répondra à nos prières, 5 jours d'enseignement intense et 5 jours où tout ce qui a été lié dans nos vies sera délié dans le nom souverain de Jésus. Dernièrement, je n'ai pas eu assez de temps pour les malades, assez de temps pour vous écouter, assez de temps pour prier pour les différents cas. C'est pour cela que j'ai décidé de passer 5 jours avec vous pour mieux prendre soin des malades, mieux prendre soin des problèmes, des difficultés spirituelles que vous rencontrez. Alors, opération Seigneur bénit le Burkina Faso sous le thème Seigneur résout mon cas. Seigneur résout mon cas. Je sais que vous m'écoutez, vous avez une grande soif de rencontrer le Seigneur Jésus, d'avoir une rencontre surnaturelle, vous avez un problème, vous voulez que le Seigneur le résolve. Il y a une difficulté dans votre vie, dans votre famille, dans votre lieu de travail, peut-être dans votre santé physique, ou dans votre santé spirituelle, ou dans votre santé sentimentale, etc. Quels que soient les problèmes que vous avez dans tout le Burkina Faso, et les habitants d'autres nations environnant le Burkina Faso, ne manquez pas à ces 5 jours de visitation divine où le Seigneur nous guérira de toutes nos maladies, où nous crierons jusqu'à ce que le ciel nous réponde, où par nos prières nous allons déchirer le ciel pour avoir la réponse à nos questions. Alors ne manquez pas dans la Maison du Peuple, mardi à partir du 19 à 16h, mercredi nous serons aussi là à partir de 16h, jeudi nous serons là à partir de 16h. Vendredi, nous aurons la conférence d'impartition, qui est un moment crucial et important pour mes conférences. Un moment où ceux qui voudraient avoir part à la portion d'héritage spirituel que Dieu m'a donné, qui disent dans leur cœur, ce prophète a quelque chose qui me plaît, quelque chose que je voudrais aussi dans ma vie. Seigneur, il y a telle grâce dans la vie de ton oint, je veux l'avoir. Alors ce sera le matin. Dans tous les domaines de votre vie, je vous impacterai personnellement. Et je poserai ma main sur vous de façon spéciale et je sais que Dieu vous visitera. Vous avez un besoin, vous êtes dans un foyer par exemple, vous êtes un homme de Dieu dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie où vous voulez être impacté, alors ne manquez pas la conférence d'impartition qui aura lieu vendredi le 22 à partir de 9h dans la Maison du Peuple de Ouagadougou. Donc les badges sont déjà disponibles pour vous. Pour tous les conférenciers, à partir du 19, vous aurez déjà vos badges dans la Maison du Peuple que je vous remettrai, comme à l'accoutumée, de mes mains propres. Alors il faut dire, pour tous ceux qui sont nos bienfaiteurs au Burkina Faso, la conférence des bienfaiteurs officielle du Burkina Faso aura lieu samedi le 23 septembre à partir de 16h, toujours dans la Maison du Peuple. Alors tous ceux qui sont bienfaiteurs, je vous bénis. Et ceux qui ne sont pas encore bienfaiteurs, c'est l'occasion pour vous de retirer vos coupons à partir du 19 dans la Maison du Peuple. Vous voulez être bienfaiteur, participer à cette grâce, devenir notre partenaire là-bas à Ouagadougou. Alors les coupons vous seront remis, vous aurez l'occasion pendant tous ces jours. Et samedi, nous allons clôturer avec la fête des bienfaiteurs qui sera un moment extraordinaire. Dieu va impacter votre vie, Dieu va révolutionner vos finances. Et l'Église a besoin de Joseph d'Arimathée pour la soutenir et pour porter ses projets à court, à moyen et à long terme.
Il faut dire que lorsque nous allons dans les nations comme ça, le budget se chiffre en termes de dizaines de millions. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu, dans tous ces temps, nous a soutenus. Il est le grand pourvoyeur, le grand Jéhovah Jireh. Je vous bénis, je serai avec vous Burkina Faso et soyez en paix. Je sais que cette fois, ça sera extraordinaire. Ouragan de prophétie, guérison surnaturelle, lancement de la parole sur les fondements bibliques, hébraïques et grecs, et la puissance de Dieu sera là. Votre témoignage sera rendu. Quel que soit votre cas, vous souffrez du VIH, des cancers, des hépatites, des paralysies, vous avez été témoin de ce que Dieu a fait. Au nom de Jésus. The free in the name of Jesus. Tendez ça. Tendez le genou. Tendez. Au nom de Jésus. Be free. Tendez. Be free in Jesus. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost, be free in Jesus' name. Espera mi mole divini, batura mi mole gore, usura mi mole vanu maro. Espera mi mole divini sto, exala mi mole garo melo. La Bible dit et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh! Vous êtes content? Très content. Hein? Très content. Vous venez d'où? Je viens de Bémé. De quoi? Bémé. C'est ça que j'ai cherché tout à l'heure là. Bémé. Hein? Bémé. Oui. C'est loin d'ici? Non, c'est... Oui, c'est loin. Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri? Je ne sais quoi. Merci. Il n'y a pas un mot qui dépasse merci. C'est le mot là que j'allais employer. Allez raconter à votre famille ce que j'ai fait pour vous. Félicitations. Waouh. Je veux délimiter. Préparez-vous à voir des choses plus grandes que celles-ci. Ne manquez sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous divin. 5 jours de changement, 5 jours de rendez-vous surnaturel où ta vie doit changer, où ton histoire doit changer, où Dieu doit réécrire les pages de ton histoire. Dernièrement, il faut dire que nous avons eu un grand désagrément concernant les bouteilles d'huile de faveur. Beaucoup de personnes ont été attristées parce qu'elles n'ont pas pu avoir la bouteille d'huile de faveur. L'huile de faveur est un don de Dieu pour nous. C'est une grâce de Dieu. Jacques a dit ici quelqu'un malade qu'il appelle les anciens, qui prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière fervente du juste guérira le malade. Et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà, jusqu'au l'huile d'onction, c'est-à-dire l'huile de faveur, peut avoir un effet dans votre vie. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas eu la bouteille d'huile de faveur, Dieu a permis cette fois-ci que tout le monde puisse être servi et vous aurez votre bouteille d'huile de faveur. Je vous la recommande personnellement parce que pour moi-même,
qui suis votre père spirituel, cette huile est d'une utilité qui n'est plus à décrire. Alors que chaque famille ait sa bouteille d'huile de faveur, si c'est possible, que chaque membre de chaque famille puisse avoir sa bouteille personnelle d'huile de faveur. Nous allons avoir beaucoup de témoignages encore parce que je sais qu'à travers cette huile, Dieu est en train d'opérer beaucoup de choses dans vos vies, dans vos familles, dans vos carrières, dans vos foyers. Et je sais que nous serons encore bénis avec cette huile. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.